et annoncé pour David Hoss la performance de 51 minutes et 36 secondes. Yannick Voyer, mesdames, messieurs, arrive à maintenant rabaisser à nouveau donc cette performance. 51 minutes. À quelques secondes avec David Hoss, là, c'était... Quelques secondes, effectivement, pour donc séparer David Hoss de Yannick, qui va nous dire, qui va nous donner son secret, Yannick. Il va nous délivrer le secret. Comment on fait pour récupérer donc d'un record de l'ascension du Piton des Neiges? Comment on fait pour être en forme et venir battre ici David Hoss? Alors, je ne peux pas faire trop d'entraînement quand on a tout le monde. On va essayer de squatter la position, c'est les 20 minutes et demi, voilà, et c'est un jour, allez, après c'est bon, un peu, tu m'as aidé ce week-end, et voilà, partez, bah, c'est bon. Mesdames et messieurs, la police, s'il vous plaît. Allez, bravo, jeune homme. Pouvoir justement récupérer les efforts de son record de l'ascension du Piton des Neiges, incontesté de ce kilomètre vertical du Maïdo, mesdames, messieurs, reste Yannick Voyer. David, un petit mot sur la performance de Yannick Voyer. Ouais, bah, vraiment, j'entendais Yannick, et on a tous écouté son temps, mais c'est vrai qu'il a sorti une grosse performance là. Avec sa montée de la semaine dernière, c'est vrai que c'était pas facile pour lui de réitérer la performance. Mais ouais, c'est super, 6 secondes. C'est vraiment rien. Ça aurait été tellement bon de partir ensemble vers le sprint et tout, mais bon, bah, voilà, c'est la course. Bravo à lui, c'est super. Et puis voilà, de battre son temps à lui sur un parcours rendu plus gras, c'est vrai que le mérite lui revient, quoi.